On l'utilise ici pour les fabrications de, pour l'élaboration, pour la nourriture des animaux. La nourriture des animaux. Et comme engrais. Ah, ah. Attention. Ça, c'est sûr. Il y a expliqué qu'on peut obtenir un mezcal à partir de cette plante. Mm-hmm. Vous rappelez? Mm-hmm. Mais cette boisson alcoolisée est obtenue depuis le tronc. Je suis sûr que vous savez déjà que cette fibre a été obtenue à partir de cette feuille. De quelle manière? Je le vais montrer à vous bientôt. Mais maintenant, on va fabriquer encore une corde. Pour faire ça, d'abord, il faut les peigner au quart de le matériel. Sans minou. Et ainsi, on peut séparer la fibre courte de la fibre longue. La prochaine étape s'agit de mettre un peu de la matériel dans ces crochets que nous avons ici. Ensuite, on la va torsader. Et s'il vous plaît, regardez ce procès attentivement. Ce n'est pas de la magie. Simplement, c'est un savoir ancestral. Allons-y, allons-y, allons voir. Allons-y. Allons-y. Allez. Pour vous dire maintenant, on doit attendre 7 ans pour avoir le droit de faire la première récolte de la fleur. 7 ans. 7 ans. Et il faut également savoir que cette plante a une durée de vie de jusqu'à 25 ans. Et n'est produit que 360 fruits tout au long de sa vie. Ça veut dire qu'on peut couper seulement 20 fruits chaque plante par an. Ce n'est pas beaucoup. Surtout parce qu'on sait qu'il y avait l'intention de fabriquer ces ballons. La vibration de ce côté est totalement cardée et prête. Je peux expliquer ça. Lorsque Monsieur Péon était mort, la sienne était donnée à son enfant le plus aîné, qui s'appelait Augusto Péon Jr. Mais malheureusement, Augusto Péon Jr. était un avocat qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'hacienda. Ensuite à ça, à ce moment, la fibre synthétique est arrivée ici. Pour des raisons évidentes, la production est tombée et Augusto Péon Jr. fermait la sienne. C'était tout pour ce tout de la Péon.